Eh bien, salut tout le monde, c'est Fulito. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de notre aventure sur Dead Space. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, eh bien, nous nous sommes laissés encore une fois dans cette salle. Décidément, ça fait 3 épisodes. Donc, dans cette salle, eh bien, qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, nous avons pété la porte. Enfin, nous avons pété cette porte que nous devions péter il y a de cela 2 épisodes. Donc pour ça on a été récupérer la thermite là-bas et le défibrillateur ici. Donc c'est l'inverse, enfin voilà, on a récupéré ces deux objets qui nous ont permis donc de péter la porte. Et donc on va pouvoir continuer et trouver l'érigue du capitaine. Mais je sais toujours pas c'est quoi l'érigue, mais c'est pas grave. Et c'est tout. Sinon, je vais regarder vite fait au niveau de mes achats. Enfin, de mes achats, oui. C'est pas ça comme ça. Bon, je peux en prendre. Peut-être des munitions. J'ai combien de munitions? On va regarder ça vite fait. Ah, j'ai beaucoup de munitions pour ça. Ouais, bon, ça, je pense que ça devrait le faire. On va peut-être utiliser l'autre arme un petit peu pour changer. On a beaucoup de munitions. Ouais. Haha. Sinon, bah c'est tout. Bon bah c'est parti. On est parti pour avancer là-bas. Alors je vais juste regarder un petit peu la carte pour voir un petit peu comment ça va se configurer le truc. Donc, ok, donc là on aura un petit couloir, une grande salle. Et des couloirs. Ok. Un ascenseur, ouais. Je le sens un petit peu mal, mais bon, on va dire que ça ira. Hein. On est équipé de toute façon. Ok, on y est. La voie vers la morgue doit être libre. Souvenez-vous, les codes sont sur le corps du capitaine. Ok. Déjà vers la morgue. Bonjour. Y a quelqu'un? J'ai entendu des bruits. Ouais, bon, ça pue là, franchement, ça. Ici l'officier médecin-chef Nicole Brennan. Est-ce que vous me recevez bien? Nous avons besoin d'aide. Nous manquons de ressources ici pour traiter ces patients. Personne ne veut nous dire ce qui se passe. S'il plaît, nous ne sommes pas équipés pour soigner ces. Non. Mettez-le sur la table. Tenez-le, bon sang! Tenez-le bien! Merde! Fin de transmission. C'était Nicole. Je ne sais pas de quand date ce message. Mais elle doit être quelque part ici. Par contre, si vous pouvez arrêter un petit peu avec les bruits là, parce que des bruits partent. Non, mais. C'est abusé. C'est quoi ça? Eh, vous avez tous entendu comme moi? What the fuck les bruits là? Non mais y'a un truc qui va sortir de là, c'est obligé. Non. Mais arrêtez avec les bruits, sérieusement. Ouais, mais attends, je vais quand même fouiller la salle. C'est qu'un jeu vidéo, faut pas avoir peur. Mais... Après, comment voulez-vous ne pas avoir peur avec des bruits comme ça, sérieusement? C'est... Je sais pas, il... Pourquoi? Je peux pas... Ah non.
C'était une canette. Alors attendez, là j'ai un raté. Le truc qui tombe juste à côté. Et je peux pas aller là-bas ? Ok, bon là-bas il y aura un monstre qui va sortir, ça c'est obligé. Lui va se relever, c'est obligé aussi. Où ça? D'accord. Merde. Allez bien. Ok, je visais un petit peu mal, c'est pas grave. Il en reste une. Oula là 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 là. Bon, j'ai un petit peu merdé. J'ai toujours du mal à viser. Non, 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 non. Ah, par contre, en termes de soins. Bon, je pense que je vais en trouver sur les caisses. Ouais, maintenant, j'entends des chuchotements. C'est cool. Dans ton cher, c'est bien. Il me semble que j'avais vu des. Ah oui, une caisse verte là-bas. Ah, là-bas il y a un truc aussi. Pompe à oxygène. Pourquoi il y a une pompe à oxygène ici? Très bonne question. Ouais, faut pas que j'oublie d'utiliser ma stase aussi contre eux, contre les ennemis. C'est bon, maintenant je le sais, je vais y penser. Des crédits, ok, je fouille un petit peu la salle. Énergie plasma, ok, il doit y avoir encore du soin, non? Ça serait bien d'avoir un petit peu de soin quelque part. Là-bas, il y a un objet. Des crédits. Bon, ça peut toujours servir. Hein. Même si c'est pas vraiment ce que je voudrais, là, ça serait plus du soin. Parce que des soins, j'en ai utilisé pas mal. Alors, je fouille bien. Ici, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Non. Là-bas, il y a un corps. Alors la lumière, voilà. Hein. Bon, là-bas, on dirait qu'on peut rentrer. Allez, sortez. Ils sortent même pas. Bon, ils vont sortir après. C'est obligé. On va aller dans la petite salle. Énergie plasma. Crédit, ok. Donc, il faut que je mette le machin sur le truc. Voilà, ça. Alors, il est où? Oui. Ah. Purée, mais il me fait peur ce truc. Comment déjà? Comme ça, voilà. Ah, de la lumière. Donc là-bas, c'est fermé. Je peux pas y aller. Bon, c'est pas grave. Là, pourquoi pompe à oxygène? Je ne sais pas. On va dire que c'est tout à fait normal. Donc nous, faut aller là. Ok, on va regarder vite fait la carte. Ok. Je vais recharger ça.
D'accord. Désolé si je vous ai détruit un peu les oreilles. Bah viens. Oula, je suis complètement nul. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Cool, du soin. Heureusement, elle m'a looté du soin. Donc, ici, il fait très très noir. Je vais voir s'il n'y a pas des objets bien cachés, bien planqués. Wouah, tu fais plus peur, toi. Hop, je te finis, au cas où, on ne sait jamais. Bonjour messieurs les corps, vous n'avez pas des objets à me looter? Non. Bon, je pense que je les verrai briller. Là, c'est fermé. Verrou de force. Utilisez un point de force. Ouais, mais... est-ce que c'est pour des trucs utiles ou pas? À mon avis... on va regarder la carte. Une petite pièce comme ça, il doit y avoir un truc utile forcément pour utiliser un point de force. Bon allez, je vais vraiment YOLO, le dernier point de force que je vais utiliser pour des trucs comme ça. Ah ouais, ouh, il y a des trucs ici. Attendez, on va faire de la place aussi. Déjà on va se recharger en vie. On va surcharger en vie. Hop, ça va tout soigner. Genre. Voilà. En rechangeant tout, on peut. Genre, je peux pas tout prendre. Attendez, on va. Recharger tout. Bah voilà, on peut tout prendre. Ah bon, ça c'est fermé. Alors j'ai gâché un point de force. C'est pas grave, au moins j'ai eu des munitions. Ouais là j'en ai pas mal. Et j'ai eu ça. Schéma dent de trancheur. Ouais. J'ai eu des trucs. Donc c'est pratique. Et mais bon, les prochains points de force, ça je les utiliserai pour augmenter la puissance de mes armes et tout. D'accord, j'en ai un derrière moi. Eh oh. Eh ben, dites-moi. Allez hop. Comment ça? Voilà. Eh ben, dites-moi. Beaucoup d'action en ce début d'épisode. Ça fait 15 minutes déjà. Il faut que je pense aussi à utiliser ma stase. Ça, j'ai toujours l'oublié, c'est pas grave. Bon, on a quand même bien fait d'aller dans cette salle, comme ça on a eu plein de munitions. Hop, je suis bloqué. Bouge-toi, merci. Y a rien. Pas un petit objet, non. Oui, bon, bah là, je suis plus surpris. Hein. Allô, est-ce que quelqu'un me reçoit? Je m'appelle Hélène Fisk. Je me réveille juste d'hypersommeil. Je suis seule. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout le monde est parti. Je vais tenter de trouver quelqu'un. Si vous me recevez, venez m'aider. J'entends comme des rats dans les murs. Qui est-ce? Qui êtes-vous? Vous êtes médecin? Où sont passés les... Oh oui, je vous connais. Vous êtes Harris, le prisonnier de la colonie. Et vous avez tué cette infirmière. Pitié! Aidez-moi, je vous en prie! D'accord.
D'accord. Bon, faut aller là-bas. Hein? On peut très bien tout de suite tourner pour notre objectif, point de sauvegarde, tout ça, mais je pense que il doit y avoir des trucs au bout, donc faut y aller. Voilà. Allez, venez, bande de petits connards. J'ai plus peur, moi. Allez. D'accord, mais alors, toi, je t'avais pas vu, mon petit pote. Faut pas venir comme ça, attends. Oui, bon alors, toi, et hop. Ça va, maintenant j'ai moins peur. Maintenant que je les connais, je sais comment ils sont, ils surgissent de nulle part et tout. Ça me fait moins peur. Naissance. Ouais, c'est d'accord. Et c'est tout. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Naissance, je m'en fous de leur naissance. Ça brille et tout ça. Ah, mais genre, mais attendez. Ah bon, t'es comme ça, toi. D'accord. Mais genre... Genre, je peux pas prendre des munitions. Hop, on va se soigner. Faut quand même se soigner. Bon, ça me fait quand même beaucoup de munitions. On va utiliser le truc. Pompe à oxygène. Ouais, mais pourquoi même... Ah, peut-être qu'il n'y aura plus d'air après. Va-t-il se passer un truc qui fait que... Ah. Qu'au retour, il y aura plus... Il y aura peut-être un trou et au retour, il n'y aura plus d'oxygène. C'est possible. Avec ce jeu, tout est possible. Du coup, on a peut-être bien fait d'arriver là. D'accord. C'est quoi un... Pourquoi un... Elle fait peur cette femme. D'accord. Oui, mais oui, c'est clair. Hein. Faut pas casser ça. Genre, peut pas casser la vitre. Je peux pas casser la vitre. Ah bah dis donc. Bonjour. Je peux pas casser la vitre non plus. Il va se relever lui. Non, je sais pas. Possible. Un bébé. Sérieux. C'est flippant ça. Alors, pas d'objet, non. Il y a un truc par terre là-bas. Des sages. Benjamin. Comme nous avons discuté, je vous demande de repousser le transport du monolithe d'un jour ou deux. Je suis plus impatient que quiconque à l'idée d'étudier ce vestige et je comprends votre volonté suite aux événements de la colonie. C'est précisément pour cela que je vous demande un délai. Ce qui est à l'œuvre ici est trop exceptionnel pour ne pas en étudier les causes de temps qu'il faudra. Suite à une discussion avec le docteur Mercer. Mercer ? Mais... Mercer est en prototype, qu'est-ce qu'il fout là? J'aimerais également m'entretenir avec les docteurs Scarello et Welland. Ok, d'accord. Terence, ok. Bon. Bon, on en sait toujours pas plus hein, sur la colonie. Enfin, moi j'en sais toujours pas plus sur la colonie. Je sais pas vraiment ce que c'est. Peut-être qu'on en apprendra plus par la suite. On pouvait pas aller là-dedans? Non. Bon, c'est bizarre. En tout cas, c'était bizarre cette femme. Un point de sauvegarde. Là, c'est fermé. On va sauvegarder un petit coup. Sur la deuxième sauvegarde. Comme d'hab. Oui. Bonjour. Ok,
policier scientifique en chef au rapport. Les troubles de la colonie m'inquiètent beaucoup. Je pense que ces problèmes sont liés à la découverte du monolithe, mais la nature exacte de ce lien reste à établir. Près de 40% des colons présentent des symptômes de démence dégénérative. Les plus visibles sont les tendances dépressives, insomnie et hallucinations. Des réactions violentes allant même jusqu'au meurtre indiquent aussi une paranoïa extrême. Le docteur Mercer m'a conseillé d'en faire venir quelques-uns pour les étudier. Le docteur Welland, psychiatre de la colonie, m'a indiqué que ces analyses ne l'ont mené nulle part. Je ne suis pas sûr que l'idée de Mercer soit la bonne, mais j'ai besoin de son aide. Nous devons trouver des réponses rapidement. Si quelqu'un pouvait m'expliquer ce qui s'est passé ici. C'était très flippant. Je vise à côté, c'est tout à fait normal. Connasse de créature. Bon, c'était très bizarre ce qui s'était passé hein, ici. Un ascenseur. Bon. D'accord, bon bah ici. Va-t-il se relever lui? Je sais pas. Mais il y aura des créatures qui vont venir, ça c'est sûr. En tout cas, c'est très... très décoré de sang. Ça c'est... En tout cas, c'est sûr. Oui. Du sang, il y en a partout. Charmant. Une tête. C'est très... Oula. What this créature. C'est très dégueulasse, cette créature. Et cette créature vient de transformer... Je suis mort. Bon bah je suis mort. D'accord. J'ai rien compris de ce qui s'est passé, mais je suis mort. Bon bah c'est la première fois. Bah tant pis. Alors la créature là qui transforme tout le monde en truc là, c'est un petit peu cheaté cette créature. Apparaît, voilà, transforme. Voilà. Heureusement. Code bien reçu, ils ont l'air bons. Dieu merci. Je vais fouiller dans les rapports du capitaine. Rendez-vous au tram, je vous contacte là-bas. Je veux en savoir plus sur ce qui s'est passé ici. Heureusement, j'ai fait ça tout de suite, comme ça au moins. Mieux vaut prévenir. Elle est puissante quand même la... l'attaque, je sais pas comment on appelle ça, la seconde attaque du trancheur, elle est assez badass. Elle a tué les deux en un coup.
rapport d'autopsie. Benjamin Mathieu qui est mort. Oui, j'ai la flemme de le dire en fait. Mais je l'ai avec vous. Mais pas haute voix. La quoi celui un peu dans un journal, c'est intéressant. Nanana, condition multiple sur le bras. Si jamais vous voulez lire, hein, vous mettez sur pause. Automutilation, ouais, bon. On s'en fout, ils sont morts de toute façon. Ouais, je vais fouiller quand même la. Non, pas ça. Je vais fouiller quand même la pièce. Y a plus rien ici à récupérer, non. Mais bon, sinon, je suis assez content du trancheur. Il a été très utile là pour le coup. Les deux en un coup, ils sont morts. Et heureusement parce qu'elle les a transformés en, je sais pas, ils sont assez badass eux. Ils ont les yeux jaunes et tout, je sais pas, ils sont très puissants. Un point de force, c'est cool. Fermé. D'accord. Genre j'ai l'inventaire plein. Bah attends. Je vais faire ça. Et voilà. Oui, des crédits, oui. On va récupérer les crédits. Et c'est bon. Bon, on va pouvoir se barrer. Faut aller par là. D'accord. J'ai rien oublié, je pense pas. Pas un truc. Non, pas une caisse à péter. Bon. J'ai à peu près rien oublié. Hop. Donc c'est parti pour aller là. On est re-là. Attendez, va se réveiller lui. Non. C'est trop calme. Ou alors c'est moi qui psychote. J'ai l'impression que c'est trop calme. Ah bah non, il suffit de demander en fait. D'accord. M'a fait très mal lui. Je crois que je vais m'acheter du soin au truc. D'accord. Faut aller là. Attendez. La carte. Comment on zoome déjà? Voilà, ça sert à rien d'y aller. Mais oui, il n'y a rien de toute façon. Ah! C'est vrai. Zach, je ne sais pas comment il a fait, mais un de ces salopards m'a trouvé. J'ai réussi à l'enfermer dans une capsule de sauvetage. J'annule le verrouillage tout de suite. J'ai accès au pont. Je ne sais pas bien ce que sont ces choses, mais elles viennent de la planète brisée en dessous. Ça a commencé en bas, puis s'est monté. Isaac, ce n'est pas infectieux. C'est une autre forme de vie étrangère. Merde, on a un gros problème. Les moteurs sont coupés et on dévide notre orbite. Rejoignez la zone d'ingénierie au plus vite. Je reste ici pour en savoir plus sur le problème. Ok, d'accord. Donc ce sont des aliens. Hein. Pas un virus, pas un truc. Ok. Bon bah écoutez. On va encore s'arrêter dans cette salle. Parce que ça va faire bientôt 35 minutes. Donc on va encore s'arrêter dans cette salle avant de... Bah de retourner au tramway et donc de faire... je sais pas quoi. Hein. Faut aller à l'ingénierie. Ouais.
Bah écoutez, quoique... Est-ce qu'on aurait terminé avec l'épisode 2? Ah, il y a un truc que j'ai pas fait. Gravité à bord. Ah, il y a un truc que j'ai pas fait. Épisode 1, j'ai tout fait, je pense. Ouais. Et épisode 2, il y a un truc que j'ai pas fait. Parce que regardez, ici, il y a un creux. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Attendez, je vais regarder la carte. Pourtant, j'ai été tout partout. Je pense avoir été tout partout. À part dans les salles où je pouvais pas rentrer, mais ça c'est parce que bah, c'est fermé, je peux pas y aller. Ah, bah écoutez, dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié un truc, n'hésitez pas à me le dire. Ouais, si j'ai oublié un truc, eh bien n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est bizarre ça. Il y a un creux dans épisode 2, il y a un truc qui manque. Bon, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Quoique, là on va changer d'épisode, donc on va certainement sauvegarder. Donc on va... Bon bah allez, on va faire un truc là, on va acheter des... Bah des trucs. Coffre, et là je peux toujours pas mettre des trucs. Je fais A, ça veut pas. Bon c'est bizarre. On va acheter du soin, parce que j'ai pas beaucoup de soins. Ouais. Des larmes, non, on s'en fout pour l'instant. Ah non, 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 pas vendre, ils sont tarés. Je vends pas. Non, je vais acheter du soin. Mini kit de soin. Bah ouais, mini kit de soin. Voilà. On va en utiliser un. D'accord, en fait, on peut en acheter plein. Parce que j'ai encore de la place. On va encore en acheter. Ça peut toujours nous servir. Alors, mini kit de soins, oui. Et mini kit de soins, oui. Voilà. Ça me semble parfait. Bah écoutez, on va quand même faire un petit coup de sauvegarde ici. Mais on va avancer jusqu'au tramway. Et je pense qu'il y aura une autre sauvegarde. Donc on s'arrêtera là. On va changer un petit peu de cette salle. Parce qu'à chaque fois, je reprends dans cette salle. À faire 3 épisodes. Bonjour, moi c'est Alexandre, alias Fulito. Et vous c'est Clic-Clac. Ok, d'accord. Très enchanté, Clic-Clac. Bon, il y avait rien d'autre ici. Non, il n'y a pas un autre truc. Bon, bon, bon. Mais écoutez, on va aller dans le tramway. Et on va se laisser, je pense. Il n'y a pas des objets ici? Non, il n'y a pas des objets. Terminé. Ah, même s'il manque un truc. Bon, bah vous me direz dans les commentaires. N'hésitez pas à me le dire si jamais j'ai oublié un truc. Voulez-vous sauvegarder? Oui, je vais sauvegarder. On va sauvegarder là. Je pense qu'il y aura un petit point de sauvegarde aussi bientôt. Un autre point de sauvegarde. Isaac, on a deux problèmes et très peu de temps pour les résoudre. D'abord, les moteurs sont à sec. Ensuite, la centrifugeuse ne fonctionne plus du tout, ce qui fait quelques milliards de tonnes de roches qui nous tirent vers le bas. Il faudrait redémarrer la centrifugeuse, recharger le moteur principal et le relancer pour stabiliser notre orbite. Ouais. Bah écoute, mon petit pote, ça, on va faire ça la prochaine fois. Ça, si... Hein, on va faire ça la prochaine fois. Ok, attendez. Ah ouais, le point de sauvegarde est quand même assez loin. Ouais. De toute façon, on a quand même sauvegardé, donc c'est pas grave. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là.
on va s'arrêter là. De toute façon, je pense que si je coupe, vu que j'ai sauvegardé il y a pas longtemps, ça devrait aller, je pense. Enfin, je crois, j'espère. Est-ce qu'on peut retourner en arrière? Parce que là, j'ai sauvegardé, mais c'est pas ma sauvegarde. Attendez. Non, on peut pas retourner en arrière. Donc, je suis obligé de continuer pour le prochain point de sauvegarde. Bon, allez, on va... Exceptionnellement, je vais bien encore continuer 5 petites minutes. Jusqu'au prochain point de sauvegarde, parce que je suis gentil. Parce qu'en fait, j'ai envie de sauvegarder sur mon truc principal. Ok, là, il y a un cadavre. Enfin, un cadavre, je sais pas si c'est un cadavre ou quoi. Ah, le point de sauvegarde est dans cette salle, de toute façon. Et nous, faut... Wow... Mais attendez, faut aller où? Enfin, je sais où faudra aller la prochaine fois, mais je veux dire... Il y a 15 000 trucs, là, en fait, on peut aller en bas. Mais apparemment, c'est optionnel, mais on peut aller en bas. Que je dézoome. Voilà, on peut aller en bas. Ou alors, c'est peut-être pour une suite, je sais pas. Ah, peut-être pour une suite. Quoique, je sais pas, là, on peut aller partout. C'est très perturbant. En tout cas, nous, on s'en tape. On va sauvegarder. Je vais au moins prendre ça. Énergie plasma. Ok, pourquoi pas. Tu travaillais pas, toi? Journal de bord, ingénieur en chef, Jacob Temple. Ça fait 2 jours qu'ils ont cassé cette planète. Et que Matthews est mort. La panique, les émeutes, c'était rien à côté de ce qui allait suivre. Nos amis, nos équipiers, partis puis revenus, différents. Ils sont là pour nous tuer, jusqu'au dernier. Rucker a disparu ce matin. J'imagine qu'il est déjà mort. Mes hommes sont terrorisés. J'essaie de garder un œil sur eux, mais pour l'instant on a un problème. On perd énormément d'énergie et les moteurs sont à la peine. Je vais aller aux réserves d'énergie avec Danvers, voir si on peut y remédier. Terminé. Ok. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vais juste prendre les petits trucs dans les machins. Voilà, c'est très... Vous m'avez compris, hein, les trucs dans les machins, les trucs bidules. Enfin bref. On va juste vérifier, est-ce qu'on a débloqué des nouvelles choses? Peut-être une nouvelle tenue, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Non, pas de tenue niveau 3, dommage. Ça aurait pu être pas mal. Ouais. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. J'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus. N'hésitez pas à commenter. Et là, je dis beaucoup de commentaires. Oui, pour voir si ça vous intéresse tout ça. Et si vous avez la réponse à mes questions, par exemple, si j'ai loupé un truc dans l'épisode 2, parce que ça m'intrigue un petit peu qu'il y ait un trou dans la liste des trucs. Enfin, est-ce que je pouvais pas y aller, ou est-ce que c'est moi qui ai passé à côté? Je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Et donc nous, la prochaine fois, on continuera à faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire aller à l'ingénierie. Voilà. Donc écoutez, d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.